L'UE11, contrôle de gestion du diplôme de comptabilité et de gestion, ou DCG, généralement enseigné en troisième année, est une épreuve écrite de 4 heures. Ce cours fait partie de l'axe gestion comptable et financière et vise à développer des compétences en accompagnement à la prise de décision, ainsi qu'en conseil et communication. Le programme, révisé pour compter 200 heures de cours, se divise en 4 parties principales. Le positionnement et l'identification du métier de contrôleur de gestion, la détermination et l'analyse des coûts, la gestion budgétaire et les outils d'amélioration de la performance. Cette matière exige une préparation approfondie et sérieuse. Les candidats doivent non seulement maîtriser les techniques de calcul, mais aussi être capables de les utiliser pour résoudre des problèmes opérationnels. Les questions d'examen privilégient la réflexion et l'analyse de décisions de gestion plutôt que de simples calculs. Pour bien se préparer, un programme annuel de formation est recommandé, ainsi qu'un rythme de travail régulier. Avant l'examen, il est important de lire attentivement le sujet et de planifier son temps de manière efficace. Enfin, il est conseillé de s'entraîner avec les corrigés des années précédentes pour se familiariser avec le format de l'épreuve et les attentes du jury. We'll be right back.